Aïdara Mandel. Oh, Glodoué, Ange Varizi, l'accélération, il a trouvé Angouin Ruffin, le pour Aérec aussi. Varizi. Arnaud Didi. Roger Didi. Et suite à la blessure de. Ange Varizi, ancien joueur du Oroya Athletic Club et de la JCAT. Il a trouvé Jacob Dep. Ange Varizi, Glodoué. Il cherche un partenaire. À Blackcore. Il va lever le ballon dans la surface de réparation et la tête de Glodou. Voici Glodou Ange Varizi. Amara Diaby, la remise. Lorsque c'est défenseur de la SEC, ils sont plus rapides. Donc il va falloir que c'est un défenseur. Les Limons pour se relancer. Un grand Gilloa. L'intervention d'Ange Glodoué Varizi. Le voici le du stade d'Abidjan lors de la deuxième journée. Il faut s'en méfier donc. Et vous savez Arnold et Didier Jean Keïta qui habite à la commune de Port-Boué, précisément dans le quartier de Friticité. Tiao. À Brambois encore une fois. Et ça va sortir, ça va être hors de but. Et on va préparer le changement côté très du loin là, Arthur. Coton, Akassou, Varizi, Glodoué. Un ballon pour Corée Junior, et ballon. Beaucoup plus défensif dans cette fin de rencontre. Et ce sont les Mimos qui ont donné. Il a été vraiment tellement. Allez, Kofi Foba Steven, ça dans la course avec Akwanda Suleiman, le Burkinabé qui va. En plus, c'est un garçon qui gagne pratiquement tous ses duels. Glodoué et Ange Varizi, le très expérimenté joueur de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Bon, c'est. Glodoué. Et voici l'Africa Sport, la première vélo. Akassou Koutou encore la sec. Glodoué, le long ballon à destination de Ponyongo. La course de Ponyongo, est-ce qu'il va passer? Il y a eu. Burkinabé, j'ai l'impression, non? Oui, bien sûr. Et je disais à l'instant, c'est plutôt sa maman hein, qui est Burkinabé. Et son père est ivoirien, moi je voulais bien dans ce milieu de l'Africa. Glodoué, Ange Varizi qui a laissé le rebond. Ange Varizi, Glodoué. Ouattara Issouf, c'est bien joué en 1-2, Nguesson, il est bien repris par Glodoué. Ah, de part et d'autre, on voit de belles choses. On voit surtout des superbes actions, des dédoublements. Mais parfait Guiagon, au contraire, il est capable de passer, parfait. En bandit, Mandjoui Boris. Enfin, rattraper ce ballon qui sera dévié par Fondation. Parce que tout à l'heure, il avait eu juste une contusion au visage et que ça pourrait aller. La Rémoise, bon, c'est le centre de Bancel. La balle transversale de Kouanda Suleiman, mais il était en position de hors-jeu. Pensez qu'il un petit ballon bien, mais il n'y avait pas hors-jeu. La balle transversale pour Varizi, c'était très bien joué de la d'une fulgurance indescriptible. Hein? Et voilà, ils sont dans ce qu'ils ont fait durant cette première mi-temps. Je vais demander, dira rien. Et Boyabi va permettre aux Genevois de redécoller. De Bassam. Bassam, la première capitale de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas connue pour. Le blanc, c'est l'équipe de la SEC Mimosa et la formation du stade d'Abidjan, tout de bleu vêtu. Les hostilités viennent d'être lancées. La SEC Mimosa a laissé filer l'occasion de s'emparer du fauteuil de leader. À Kanakoussi, une manière pour mettre ce ballon dans la course de Bizambi. La SEC va repartir. Long ballon à destination de Nguan Ruffin.
Bansé, ballon levé pour Bansé, la tête de remise de Gloudeux, Ange Barézi, Ouattara Issouf. Celui qui l'a perdu face à la SOA ici, la Société Omnisports de l'Armée, et le match nul qu'il a fait face au Stade, c'était des équipes qui se sont cantonnées. Jean-Morel Poué va aller vu le ballon, attention, ça va être sorti par Ange Barézi. Corner. Alors, a été impressionnant, sinon pas mal. Voici une velléité offensive, Gloudeux et Ange Barézi cette fois-ci. Va sortir, il ne fera pas le geste qu'il faut. Attention, Barézi. Et la fatigue se fait sentir. Trois matchs. Du CW avec. On est avec l'adjoint du. Jean Morel qui aurait dû la jouer rapidement sur Bansé, hein, qui s'en est plein d'ailleurs. Alexis Bansé toujours à l'appel, mais il y a également Junior et il va obtenir une fouée qui tente toujours de passer par le côté gauche. L'intervention de la défense de l'ASEC qui ressort bien ce ballon et qui va chercher Jean-Morel Poué et l'ASEC.